Ça tout le son. Annonce. Action. La FIPCA, ou encore Fédération Ivoirienne des Professionnels du Cinéma et de l'Audiovisuel, veut donner un nouveau souffle au cinéma ivoirien. C'est dans cette optique que se sont réunis le 15 mai 2021 à l'Institut Universitaire d'Abidjan, IEA, les cinéastes ivoiriens pour apporter des pistes de réflexion sur le cinéma made in Côte d'Ivoire. À l'initiative d'Olivier Koné, cette fédération a pour objectif d'améliorer les conditions de vie et de travail des professionnels du cinéma, en soutenant la production cinématographique et en revoyant leur statut d'artiste. C'est les vacanciers, tous les gens qui viennent de l'hôtel, viennent tout au long de l'année. On suppose que le truc a été rempli seulement deux fois, ça vous fait 27 millions. Tout le monde paye son abonnement Canal+, par exemple. Et où va l'argent? Et l'argent va où? L'argent, qu'est-ce qu'il est redistribué aux artistes qui veut créer du contenu africain. Évidemment, non, c'est là où le bas blesse. L'argent est là par dizaines, centaines de milliards. Mais ça sert des intérêts économiques autres. Ça sert des gens, ça sert des systèmes techniques pour faire fonctionner les téléphones, ça sert des opérateurs, ça sert ceux qui font du satellite, ça sert tous ces gens-là, mais ça ne sert pas à la création. Et c'est là où est tout le problème. Il faut créer un flux financier vers le futur qui permette de ramener une partie de cet argent-là vers un système qui puisse redistribuer l'argent vers la création africaine. Dans le processus de mise en application, il s'agira, dans un premier temps, de faire l'agrément de la FIPCA, puis dans un second temps, de créer un bureau exécutif qui devra mettre en place des textes qui régissent la fédération, puis réfléchir sur la formation des acteurs de la profession, réalisateurs, acteurs, techniciens, maquilleurs, etc. Le barème de paiement, les financements de projets, etc. Plusieurs interventions ont meublé cette première assemblée, dont celle très prononcée du meilleur acteur au Sotigui Award 2020, Kané Maola, qui, dans son franc-parler, n'a pas hésité à indexer tous les organes censés soutenir le cinéma. Il a dans ses propos interpellé toutes les structures cinématographiques à œuvrer dans le bon accompagnement des productions. Pour moi, c'est-à-dire pour d'ici, les doyens sont là, on prend les doyens les plus jeunes. Et puis, c'est là maintenant, on va chercher un jeton. On va associer, il faut qu'on associe l'Office national du cinéma. Comment on va rien faire sans eux? Pas parce qu'à un moment je les clashais. Et puis après, je dis, est-ce qu'ils font exprès? J'ai l'impression qu'ils ne savent pas. Je vois que finalement, c'est ça, ils ne savent pas. Il y a envie de jouer au foot, mais je ne sais pas jouer au foot. Ils ne savent pas jouer au foot. On doit les céder, ça va nous aider parce que eux, c'est didactique. Parce qu'on va monter, on va descendre, on va dire, on va présenter le papier, on dit non, ça c'est pas reconnu. On doit toujours marcher avec l'Office national du cinéma. Notons aussi la présence de plusieurs personnalités, à savoir Michel Boëri, Roger Péga, Stéphane Zababi et Ngbo Raymond, pour ne citer que cela. Au thème de cette première réunion de l'Assemblée générale des cinéastes, il en ressort que la FIPCA regroupe tous les corps de métier du cinéma pour fédérer toutes les énergies pour travailler et ainsi créer une nouvelle vague de cinéastes ivoiriens qui pourra vivre de son art.